Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis assaut aviaire de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'attraper une poule dans plusieurs parties. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite saison 4 chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à côté de Lustrous Lagoon, donc plus ou moins par ici, vous allez trouver facilement des poules. Donc rendez-vous à cet emplacement et dès que vous allez trouver une poule, ce que vous allez devoir faire c'est de l'attraper, voilà en appuyant sur triangle comme ceci. Et vous allez devoir le faire dans plusieurs parties. Donc dès que vous attrapez une poule dans une partie, vous pouvez relancer la partie pour en essayer d'en attraper une autre dans une autre partie. Et quand vous aurez attrapé une poule dans 3 parties différentes, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de chasser des poules à butin luisante. Alors les poules à butin luisante, c'est des poules qui illuminent d'une certaine couleur. Donc là il y a jaune, il y a violet, il y a vert, il y a bleu je crois aussi. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est de chercher des poules comme ceci. Et ensuite vous allez devoir les tuer. Donc regardez, quand je vais la tuer ça va me donner une arme. Donc ça c'est un butin, c'est une poule à butin luisant. Donc pour vous aider à trouver des poules, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite saison 4 chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à côté de Lustrous Lagoon. Donc dans ces environs là, il y a plusieurs animaux qui s'y trouvent à chaque fois. Donc moi je vous conseille fortement d'aller ici et regardez, justement il y a une nouvelle poule que j'ai vue. Bah qui a disparu ou quoi? Non, regardez, il y a encore une autre poule qui se trouve juste là. Donc ça vous prouve bien qu'à cet emplacement, vous allez trouver des poules plus facilement. Donc voilà, dès que vous aurez tué une poule... ah non, il faut en chasser 20. Il faut chasser 20 poules. Donc à mon avis, ils ont augmenté le nombre de poules qui apparaissent sur la map. Donc dès que vous aurez chassé 20 poules avec un louisant, donc 20 poules à butin louisant, et ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec les coups de bec d'une poule. Donc dès que vous avez une poule, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un adversaire. Donc là hop, je prends la poule, je cherche un adversaire. Et dès que j'ai trouvé un adversaire, ce que vous allez devoir faire c'est de lui foutre des coups de bec en vous approchant de l'adversaire. Donc si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi parce que c'est quand même assez chaud, moi je vous conseille... Oh non, il m'a tué ma poule. Moi je vous conseille de faire une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc là je vais recommencer. Donc c'est un défi qui me semble assez compliqué, hein. Il faut juste infliger 1 de dégâts avec une poule, hein. Mais s'approcher d'un adversaire avec une poule sans que l'adversaire vous tire dessus, ça semble très compliqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire avec une partie uniquement contre des bots. Donc peut-être que ça fonctionne. Ah oui, ça peut fonctionner contre les animaux en fait. Donc regardez, vous allez contre l'animal, contre un animal, et vous lui infligez des dégâts comme je viens de faire. Donc vous vous approchez de l'animal. Ce sera beaucoup plus facile que de le faire contre un joueur en vrai. Donc regardez, bam, là je lui ai fou. Là je lui mets des petits coups. Regardez, je lui mets un de dégâts. Donc ça. Donc par contre la poule elle attaque pas tout le temps. Allez, attaque ma petite poule. Attaque mon petit poulet. Hop, regardez, là je lui inflige des dégâts, bam, bam, bam. Et dès que vous aurez infligé des dégâts à un animal, hein, je pense que ça fonctionne, hein, je pense que c'est pas obligatoirement contre des adversaires. Donc dès que vous aurez infligé des dégâts à un animal avec votre poule, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer des poules. Alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement d'attraper des poules, comme je vais le faire. Donc vous allez près de la poule, vous appuyez sur triangle et ensuite vous allez devoir la lancer. Donc pour la lancer, vous appuyez tout simplement sur le bouton pour tirer. Moi, c'est R1. Donc regardez, quand j'appuie sur le bouton tirer, eh ben je peux lancer la poule. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de lancer 10 poules. Alors je ne sais pas si vous pouvez le faire avec une seule et même poule, mais vous pouvez toujours essayer. Mais si ça ne fonctionne pas avec une seule et même poule, il faudra lancer 10 poules différentes. Donc vous allez devoir chercher 10 poules différentes et lancer la poule 10 fois. Après, si ça fonctionne avec une seule poule, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera plus facile. Et dès que vous aurez lancé 10 poules en une partie ou en plusieurs parties, ben, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en tenant une poule. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver une poule comme ceci, ensuite de l'attraper en appuyant sur triangle quand vous êtes à côté d'elle. Donc hop, vous la chopez. Et là, vous allez devoir parcourir 300 mètres en tenant votre poule, comme je suis en train de le faire. Donc vous courez, tout simplement. Par exemple,
Je vais mettre un ping, je sais pas moi, là-bas. Donc là, c'est 55 mètres. Vous savez quoi? On va mettre un ping genre ici. What the fuck? Pourquoi je peux pas mettre de ping? Ah, voilà. Donc là, je suis à 300 mètres. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller jusqu'à votre ping qui est à 300 mètres en tenant votre poule pour voler. Et dès que vous aurez parcouru 300 mètres en tenant votre poule, vous pouvez soit sauter ou soit courir comme ceci. Hein. Bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de renvoyer une poule dans un enclos. Et là, ce que vous allez devoir faire quand vous avez votre poule, c'est de la lancer dans un enclos. Alors l'enclos, elle est juste ici. Donc vous appuyez sur votre touche tirée, vous lancez la poule dans l'enclos. Voilà, comme ceci. Et là, vous aurez terminé le défi. Alors, les enclos, il y en a un qui se trouve juste ici, là, dans le gameplay. Voilà, sur le gameplay. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. De toute façon, quand vous approchez de l'enclos, vous avez un petit point d'exclamation, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, qui vous indique l'emplacement. Alors ensuite, il y a un autre enclos qui se trouve plus ou moins par ici. Il y a un autre enclos qui se trouve plus ou moins... plus ou moins par ici normalement. Voilà, vers ici. Et il y a un dernier emplacement qui se trouve vers ici. Donc voilà, rendez-vous à l'un des emplacements que je vous ai montré. Et puis ensuite, lancez la poule dans l'enclos pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tomber de 4 étages en tenant une poule. Donc quand vous avez trouvé une poule, ce que vous faites, c'est que vous l'attrapez. Voilà, comme ceci. Regardez, bam. Vous l'attrapez en appuyant sur triangle. Faut vous approcher de la poule et ensuite vous l'attrapez comme ceci. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tomber de 4 étages. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre tout en haut du volcan, hein, donc de la montagne qui se trouve à Lustrous Lagoon. Et là, vous allez tomber de 4 étages. Donc ce que je vais faire, soit vous utilisez le pad, mais je pense que ça, c'est pas tomber. Donc n'utilisez pas le pad, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais courir et je vais sauter comme ceci. Voilà. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible pour tomber le plus bas possible. Et là, normalement, j'ai tombé de 4 étages. Hein, facile. Donc, ouais, facile. Hein. Franchement, 4 étages, regardez, je vais construire. Attendez, je vais prendre des matériaux. 4 étages, c'est tout simplement 4 rampes. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 étages. Et regardez, j'ai sauté de beaucoup plus haut. Donc voilà, dès que vous aurez sauté du haut de la montagne avec la poule, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'utiliser un propulseur directionnel en tenant une poule. Donc quand vous avez trouvé une poule, ce que vous allez faire, c'est tout simplement la prendre en allant tout près d'elle. Donc vous essayez de l'attraper, hein, vous courez après, hop. Voilà, et dès que vous l'avez attrapé, ce que vous allez faire, c'est aller près d'un propulseur directionnel. Donc des propulseurs directionnels, il y en a un peu partout hein, sur la map de Fortnite. Il y en a déjà 3 qui se trouvent ici à Lustrous Lagoon. Il y en a qui se trouvent ici à Shinisund, plus ou moins par ici et par ici. Il y en a un qui se trouve plus ou moins à côté de Grim Gables, juste ici. Il y en a qui se trouve à côté de Tilted Tower, juste ici. Il y en a même 4 autour de Tilted Tower. Donc juste ici, juste ici, juste ici. Il y en a qui se trouvent à côté de Rocky Rills, donc plus ou moins à côté de Flutterbarn, donc juste ici. Et il y en a qui se trouvent... en fait, il y en a vraiment partout. Hein. Il y en a qui se trouvent plus ou moins par ici. Là, il y en a blindé. À Klundikondos, il y en a blindé. Il y en a qui se trouvent au fort de Jonesy, donc plus ou moins par ici. Et il y en a qui se trouvent à Shimonin Shrines. Et il y en a qui se trouvent au sanctuaire du héros. Donc juste ici, ici, ici. Et il y en a même qui se trouvent sur la petite île qui est juste ici. Donc je pense que c'est sur le dirigeable que les propulseurs directionnels se trouvent. Donc le propulseur directionnel, c'est tout simplement ce que vous voyez devant moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser le propulseur directionnel en tenant votre poule pour terminer le défi. Dès que ce sera fait, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis assaut aviaire de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.